Bonjour les tricopines, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui va être une robe d'été. Alors pour faire cette robe d'été, on va devoir faire le point écaille de poisson ou écaille de crocodile. Alors j'ai fait un côté de robe parce que les deux côtés sont identiques. Donc j'en ai fait un pour gagner du temps. Voilà, donc le bas. Il se fait avec 5 rangées d'écailles de crocodile, comme ceci. Donc moi j'ai choisi de faire en deux couleurs. Ensuite, on tricote, après les rangées d'écailles, on tricote tout droit jusqu'à la taille. On fait des diminutions, on fait un rang de trou-trou pour passer une cordelière que l'on tricote sur la machine. Ensuite, on tricote jusqu'aux emmanchures, on diminue de chaque côté 2 mailles tous les 2 rangs 7 fois. On fait ça de chaque côté et on va terminer par 2 rangs d'écailles, comme ceci. Et à chaque bout, on va continuer à tricoter. Moi, j'ai fait 112 rangs pour pouvoir après relier la fin de la cordelière au dos. Voilà. Donc on fait 2 cordelières. On diminue les mailles du milieu. On laisse les 8 mailles de chaque côté et on fait sa cordelière. Donc vous voyez, elle n'est pas compliquée à réaliser. Bon, peut-être que le plus compliqué, ce sera le point d'écaille de crocodile. Mais bon, je vais vous montrer comment on fait et ça devrait bien se passer. Voilà. Alors, j'ai fait un croquis. Bon, je ne suis pas très dessinatrice, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Donc, ici, c'est une taille 40-42. Donc, la largeur, ça fait 50 cm. On tricote 18 cm d'écaille. Donc moi j'ai fait 5 rangées d'écailles. On monte pour 50 cm, on doit monter 121 mailles. Donc on fait les 5, la hauteur de 5 écailles. Après si vous voulez en faire moins ou plus, chacun sera libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, à partir après les écailles jusqu'à la taille, on doit faire 32 cm. Ce qui revient à moi avec mon échantillon à 100 rangs. Ensuite, on fait des diminutions. Une maille toutes les 5 aiguilles. Ce qui fait que au lieu de 121 mailles, on aura 80 mailles. On fait le trou-trou. Et on continue tout droit pendant 22 cm. Moi, ça me fait 70 rangs. Et on arrive ici aux emmanchures. Aux emmanchures, on diminue 2 mailles tous les 2 rangs 7 fois de chaque côté. Ensuite, quand on aura fait ces diminutions, on va faire quelques rangs de jersey et on arrêtera ces mailles. Mais on va laisser de chaque côté 8 mailles pour pouvoir faire la bretelle. Voilà, donc moi ma bretelle elle fait 112 rangs. Donc après la longueur de la bretelle c'est à vous de voir avec la robe, que la taille de robe que vous allez faire. Alors j'utilise mon coton acrylique, celui que j'ai utilisé la dernière fois pour faire mon tuto pull d'été. Seulement ici j'ai mis une tension de une densité de 3,5 sur le chariot. Donc pour 10 cm, j'ai 24 mailles et 32 rangs. Voilà. Donc, à la fin, ou dans la description, ou à la fin de la vidéo, je mettrai le patron. Donc, c'est taille 40-42. Donc, on va suivre qu'il y a d'écrit sur le patron. Alors j'ai monté
J'ai mis 120 mailles. Voilà. Donc, j'ai fait un montage chaînette avec le crochet et j'ai fait deux rangs. Donc, mon chariot se trouve à droite. Alors, le point de d'écaille se fait en quinconce. C'est-à-dire que on fait une série d'écailles au premier rang, ensuite la deuxième série d'écailles doit se trouver en quinconce par rapport au premier rang d'écailles. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va compter 15 aiguilles. Donc, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que surtout, les boutons de rappel, ils doivent être sur un, des deux côtés. Ça, c'est impératif. Donc, on va compter 15 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. À partir de la 16e, on met toutes les aiguilles en attente. Et on va travailler sur des groupes de 15 aiguilles afin de réaliser le poids d'écaille. Donc j'ai mis mes 15 aiguilles en travail et toutes les autres aiguilles, on les met en attente. Alors, elle se fait en deux parties l'écaille. Il y a une première partie où on va tricoter un peu comme quand on fait une pointe ou un talon de chaussette. C'est-à-dire qu'on va monter une maille côté chariot, une aiguille, pardon, et faire un rang. Donc on met son poids de lisière. On est côté chariot, on monte une aiguille. On monte une aiguille. Un rang. On monte une aiguille. Un rang. On monte une aiguille. Un rang. On monte une aiguille, un rang. Et on va faire cela jusqu'au temps qu'il va nous rester ici 5 aiguilles. Voilà. Donc il me reste 5 aiguilles. Alors, ça c'est la première partie de l'écaille. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc, on va monter toujours côté chariot une aiguille. Mais par contre, côté opposé au chariot, on va en descendre deux. C'est-à-dire qu'on va en mettre deux en travail. Et on va faire un rang. Côté chariot, on monte une aiguille. Toujours, on monte toujours une aiguille. Côté opposé au chariot, on en descend deux, on y met en travail. Un rang. Et on va faire cela jusqu'au temps qu'on aura retrouvé ces 15 aiguilles du départ. Donc, côté chariot, on monte une aiguille. Côté opposé au chariot, on en descend deux. Un rang. Côté chariot, on monte une aiguille. Côté opposé au chariot, on en descend deux. Un rang. On monte une aiguille côté chariot, on en descend deux côté opposé. Un rang. On monte une aiguille côté chariot, on en descend deux côté opposé au chariot. Un rang. On monte une aiguille côté chariot et on en descend deux. Côté opposé au chariot. Un rang. On monte une aiguille côté chariot. On en descend deux. Côté opposé au chariot. Un rang. On monte une aiguille côté chariot. On en descend deux. Côté opposé au chariot. Un rang.
On monte une aiguille, on descend deux aiguilles avant. On doit avoir nos 15 aiguilles qui sont revenues en travail. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Une fois qu'on a fait ces deux étapes, on a formé, vous voyez, une écaille est formée. Alors, une fois qu'on a fait ces deux séquences, on rajoute 15 aiguilles des mailles qui sont en attente. On met en travail 15 aiguilles. 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et on va faire un rang sur toutes les aiguilles, sur celles que l'on vient de faire l'écaille et sur celles qu'on vient de mettre en travail. On fait un rang. Comme ceci. Et maintenant, les 15 aiguilles, là où on a fait l'écaille, on va les mettre en attente. Puisque l'écaille est faite, on va les mettre en attente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et on va recommencer les deux mêmes séquences que l'on vient de faire sur les 15 premières aiguilles. On va monter une aiguille en attente côté chariot, un rang. Une aiguille qu'on monte, côté chariot, deux rangs. Jusqu'au temps qu'on va se retrouver avec 5 aiguilles ici. Je monte une aiguille côté chariot. Je monte une aiguille côté chariot. Je monte une aiguille côté chariot. Je monte une aiguille côté chariot jusqu'au temps qu'il va me rester 5 aiguilles ici. Je monte une aiguille côté chariot, il me reste 5 aiguilles. Alors maintenant, on va commencer la deuxième séquence pour retrouver les 15 aiguilles que l'on a au départ. Donc, je monte une aiguille côté chariot et j'en descends deux côté opposé au chariot. Donc, j'en descends deux qui vont être en travail. Et on fait un rang. Je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côté opposé au chariot. Un rang. Côté chariot, je monte une aiguille. Toujours, on monte toujours une aiguille côté chariot. Côté opposé au chariot, on en descend deux. Donc on peut remonter son poids de lisière. Un rang. Jusqu'au temps qu'on va avoir ici récupéré les 15 aiguilles du départ. Donc je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côté opposé. Je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côté opposé. Je monte une aiguille côté chariot. J'en mets deux, j'en descends deux, côté opposé. Je monte une aiguille, j'en descends deux, côté opposé au chariot. Je monte une aiguille et j'en descends deux, côté opposé au chariot. Alors, je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, je continue jusqu'au temps que j'aurai mon nombre d'aiguilles ici. J'en monte une, j'en descends deux. J'en monte une, j'en descends deux. Normalement, je dois avoir 16 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, je monte ma dernière aiguille côté chariot. Et je dois avoir 15 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. À partir de ce moment-là, on a formé notre deuxième écaille. Donc maintenant, on va rajouter 15 aiguilles, des aiguilles qui sont en attente, on va les remettre en travail, on va en remettre 15. 15. Et on va tricoter sur les deux groupes d'aiguilles. On va faire un rang. Comme ceci. Et maintenant, comme celle-ci
a été tricoté. On n'a plus besoin que les aiguilles soient en travail. On va les mettre en attente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et on va tricoter de la même façon sur les 15 nouvelles aiguilles que l'on a mis en travail. La caméra. Donc on fait la même façon, on monte une aiguille côté chariot, un rang, une aiguille côté chariot, un rang, jusqu'au temps qu'on va retrouver ici 5 aiguilles. Je monte une aiguille, monte une aiguille. Il me reste 6 aiguilles, donc je monte ma dernière aiguille et je vais commencer ma deuxième séquence, c'est-à-dire la séquence où on va rajouter des mailles côté opposé au chariot pour retrouver nos 15 aiguilles du départ. Donc ici j'ai monté une aiguille, j'en descends deux côté opposé. Un rang. Je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côté opposé. Un rang. Je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côté opposé. Un rang. Je monte une aiguille côté chariot, j'en mets deux, j'en descends deux, donc j'en mets deux en travail. Côté opposé au chariot. Un rang. Je monte une aiguille, j'en descends deux. Un rang jusqu'au temps qu'on va avoir nos 15 aiguilles ici. Voyez, on répète, en fait, on répète toujours ces deux séquences pour former une écaille. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je monte côté chariot la dernière aiguille. Et je vais pouvoir maintenant, ici, je vais retrouver mes 15 aiguilles du départ. Donc, je vais pouvoir maintenant rajouter 15 aiguilles pour faire une autre écaille. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et je fais un rang sur les deux séries de 15 aiguilles. Et là, je vais mettre toutes celles-ci en attente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et on va refaire le même travail sur les 15 nouvelle aiguille que l'on a mis en travail puisqu'elles étaient en attente. Et on refait la même chose. On monte une aiguille côté chariot. Là, on veut avoir 5 aiguilles. On va devoir avoir 5 aiguilles. Ici, il me reste 6 aiguilles, donc je monte ma dernière aiguille côté chariot et je vais commencer mon autre séquence, la séquence où on va retrouver nos 15 aiguilles ici qui étaient au départ. Donc, on monte toujours une aiguille côté chariot, que ce soit dans la première séquence ou la deuxième séquence. Côté chariot, c'est toujours une aiguille qu'on monte. Par contre, côté opposé, on en descend deux. On fait un rang. Et ça, on va le faire jusqu'au temps qu'on aura retrouvé nos 15 aiguilles.
Non, je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côtés opposés. Un rang. Je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côtés opposés. Un rang. Je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côtés opposés. Un rang. Je monte une aiguille côté chariot, j'en descends deux côtés opposés au chariot. Un rang. Et je vais faire ça jusqu'au temps que j'aurai retrouvé mes 15 aiguilles. Donc ici, je dois en avoir 16. 12, 14, 16. Donc je monte ma dernière aiguille côté chariot. Et maintenant, je vais mettre toutes. Je vais remettre, pardon, 15 aiguilles en travail. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Donc ici, une fois qu'on a fait, on a retrouvé nos 15 aiguilles du départ plus les 15 aiguilles que l'on remet en travail, on fait un rang sur ces 30 aiguilles. Et maintenant, on met celle-ci en attente, puisqu'on a fait l'écaille de poisson. Alors, je ne sais plus où j'en étais du coup. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay. Vous voyez, il faut quand même être très attentive pendant la réalisation de ce point. Être interrompu sans arrêt, parce que sinon on ne sait plus où on en est. Donc ici il m'en reste, j'en ai bien monté 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc je recommence la première séquence. Une aiguille côté chariot, un rang. Une aiguille côté chariot, un rang. Jusqu'au temps qu'on va avoir 5 aiguilles ici. Donc vous devez toujours être chariot à droite pour monter la dernière aiguille afin qu'il vous reste 5 aiguilles ici. Le chariot doit toujours se trouver à droite. Et une fois qu'on a monté son aiguille et qu'on a bien les 5 aiguilles qu'il reste ici, on commence la deuxième séquence. C'est-à-dire que on descend deux aiguilles côté opposé au chariot. On fait un rang. On monte une aiguille côté chariot, on en descend deux côté opposé. Un rang. On monte une aiguille côté chariot, on en descend deux. Un rang. Jusqu'au temps qu'on va retrouver ces 15 aiguilles. Quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize. Je monte la dernière aiguille côté chariot. Et comme j'ai terminé mon écaille, je vais remettre 15 aiguilles qui sont en attente en travail. De façon à faire une nouvelle écaille sur les 15 aiguilles ici que l'on vient de remettre en travail. Donc avant de travailler sur les 15 aiguilles ici, on tricote un rang sur le premier groupe de 15 et celui qu'on vient de mettre en travail. Le chariot se trouve à gauche. Voyez? Et là, maintenant, on va remettre celle-ci en attente. Et ici, je vérifie toujours si j'en ai bien mis 15. Il y en a 15, c'est parfait. Donc on va refaire le même travail sur les 15 nouvelles aiguilles en travail. On monte une aiguille, un rang.
On monte une aiguille, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs, 9 rangs, et au 10e rang, on monte notre dernière aiguille. Et il nous en reste 5. Donc maintenant, on va commencer la deuxième séquence pour retrouver nos 15 aiguilles. Donc j'ai bien monté une aiguille côté chariot, j'en descends deux côté opposé au chariot. Un rang. Je monte une aiguille, j'en descends deux. Deux rangs. 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs, 9 rangs, 10 rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je monte ma dernière aiguille côté chariot en travail et il me reste bien 15 aiguilles. Et maintenant, je vais remettre 15 aiguilles en travail pour faire une autre écaille. Et on va tricoter un rang sur les deux groupes de 15 aiguilles. Et on va mettre celle-ci en attente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et on recommence pour faire une écaille. Donc je monte une aiguille, un rang, une aiguille, deux rangs, une aiguille, trois rangs, une aiguille, jusqu'au temps qu'il va m'en rester cinq. Et je monte ma dernière aiguille. Il me reste bien 5 aiguilles. À partir de ce moment-là, je vais commencer la deuxième séquence, c'est-à-dire celle où on va remettre petit à petit les aiguilles pour en avoir 15 comme au départ. Donc, monter une aiguille côté chariot, on en descend deux côté opposé. Un rang. On monte une aiguille côté chariot, deux, on en descend deux côté opposé. Un rang. Jusqu'au temps qu'on va se retrouver avec 15 aiguilles. On a 14. Monte une aiguille, on en descend deux. On monte une aiguille, on en descend deux. On doit en avoir 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et je monte l'aiguille côté chariot. Et je vais pouvoir mettre, étant donné que je me retrouve bien avec mes 15 aiguilles ici, je vais pouvoir mettre tout le reste d'aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'en ai 16 parce que j'ai mis un nombre de mailles impair. J'ai mis 121 mailles. Et on tricote sur les deux groupes de boucles. Et voilà.
Alors maintenant, on remet les 15 aiguilles, 6, 8, 10, 12, 14, 15, en attente, puisqu'on a terminé les deux séquences pour faire l'écaille. Et on va terminer ici, de la même façon, on monte une aiguille, un rang. On monte une aiguille, un rang. Alors ici, vous voyez, je me retrouve directement avec mes 5 aiguilles. Donc on va faire la même chose, on va faire notre deuxième séquence en montant une aiguille, en descendant deux. Jusqu'au temps qu'on va retrouver nos 15 aiguilles. Donc mon aiguille, j'en redescends 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc maintenant que j'en ai 15, je descends celle-ci et je fais un rang. Comme ceci. Et on a terminé notre première rangée d'écailles. Voilà. Alors une fois qu'on a terminé de faire toutes ces écailles sur tout le rang, on remet toutes ces aiguilles qui étaient en attente, on les remet en travail. Donc, je vais un peu bouger ma caméra. Et on va faire trois rangs sur toutes les aiguilles. Et trois. Alors maintenant, on va faire la deuxième rangée d'écailles. Alors là, il faut que je vous explique. Pour que les écailles se trouvent en quinconce, c'est-à-dire que là, on a nos deux écailles du premier rang, il va falloir qu'on ait une écaille entre ces deux-là. Alors, pour avoir une écaille entre ces deux-là, on va faire de la façon suivante. Alors, moi, je dois changer de couleur, faut pas que j'oublie, parce que j'ai choisi de les faire en deux couleurs. Donc je vais mettre mon fil blanc. J'ai mon fil blanc dans l'encoche du chariot. Alors maintenant, pour pouvoir avoir nos écailles en quinconce, c'est-à-dire entre chaque écaille du premier rang, on va compter 2, 4, 6, 7 aiguilles. Ensuite, on en compte 15 pour l'écaille que l'on va faire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Toutes les autres, on va les mettre en attente.
Donc je vérifie, j'en ai 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. C'est très bien. On en a 22. Donc là, on va mettre son poids de lisière. Et on va faire un rang sur les 22 aiguilles ou les 22 manches, comme ceci. Et maintenant, on va mettre les 7 aiguilles en attente. Et 7. 2, 4, 6, 7. Et on va travailler sur les 15 aiguilles qui se trouvent ici, qui vont être en quinconce, vous voyez, qui vont... l'écaille va se trouver entre les deux de cette façon. Et on va faire la même chose, on va monter, on va faire la première séquence, on va monter une aiguille côté chariot en rang, une aiguille côté chariot deux rangs, jusqu'au temps qu'on va se trouver avec 5 aiguilles. Donc on monte une aiguille côté chariot. Une aiguille côté chariot. Une aiguille côté chariot. Ici, je me retrouve avec 5 aiguilles. J'ai monté la sixième aiguille, je l'ai montée. Vous voyez? Donc maintenant, je vais commencer la deuxième séquence. Donc on a monté notre aiguille ici. Il nous reste 5 aiguilles comme il se doit ici. Donc on va commencer la deuxième séquence. On monte une aiguille, toujours on monte une aiguille côté chariot, que ce soit pour la première séquence ou la deuxième. Ça, on n'a pas à se tromper. Côté chariot, on monte toujours une aiguille. Que ce soit pour la première séquence ou pour la deuxième séquence. Donc, côté opposé, on en descend 2. Fin rang. Côté chariot, on monte une aiguille. Au côté opposé, on en descend 2. Jusqu'au temps qu'on va retrouver ces 15 aiguilles ici. Six, huit, dix, douze, quatorze, seize. Donc, je monte mon aiguille. Et comme j'ai terminé l'écaille, je vais remettre 15 aiguilles en travail. Je vais faire un rang sur toutes les aiguilles. Et je vais remettre celle-là en attente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et on recommence. Vous voyez, j'ai bien ma deuxième écaille. Non, là, on ne voit pas encore bien parce que, vous voyez, elle est bien au milieu, ici, des deux écailles du premier rang. On voit ici, elle se trouve bien au milieu.
Donc maintenant, on va continuer pardon, de la même façon. On fait la première séquence, une aiguille côté carré. Jusqu'au temps qu'on va avoir 5 aiguilles. Ici, j'ai bien mis 6 aiguilles. Je monte ma dernière aiguille. Oh, pardon. Donc ici, on avait nos 6 aiguilles. Je monte ma dernière aiguille. Il m'en reste bien 5. Maintenant, je vais faire la deuxième séquence. Je vais remettre 2 aiguilles en travail. Donc j'abaisse 2 aiguilles côté opposé au chariot. Je fais une aiguille côté chariot, 2 aiguilles côté opposé au chariot. Un rang. Une aiguille côté chariot, 2 aiguilles côté opposé. Un rang. Jusqu'au temps que j'aurai mes 15 aiguilles ici. Quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize. Donc je monte ma dernière aiguille côté chariot. J'ai fini donc mon écaille. Je vais donc remettre 15 aiguilles en travail pour les aiguilles qui sont en attente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. On fait un rang sur toutes les aiguilles. On remet les 15 aiguilles de l'écaille que l'on vient de faire en attente. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, quinze. Et on va refaire le même travail sur nos 15 nouvelles aiguilles mises en travail. Vous voyez, c'est pas compliqué. On répète toujours, en fait, on répète toujours la même chose. Première séquence, on monte toujours une aiguille côté chariot, jusqu'au temps qu'on va en avoir 5 ici. Il ne faut pas se tromper, hein, je vous dis. Il faut vraiment être attentif parce que parfois on est pris dans le tricotage et on ferait vite une erreur. Hein. Donc ici il m'en reste 6, donc je monte ma dernière aiguille et je vais commencer la deuxième séquence en abaissant 2 aiguilles côté opposé au chariot pour ensuite retrouver nos 15 aiguilles ici. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize. Donc je monte ma dernière aiguille côté chariot pour avoir mes 15 aiguilles ici. J'ai terminé de faire l'écaille, donc maintenant je vais rajouter 15 aiguilles. On tricote un rang sur toutes les aiguilles. On remet les 15 aiguilles dont on vient faire l'écaille en attente. Et on recommence. On tricote
la première s'écarte. Je monte ma dernière aiguille et j'ai bien 5 aiguilles. Voilà. Alors j'ai monté mon aiguille, j'ai 5 aiguilles ici. Donc maintenant on va faire la deuxième séquence pour avoir les 15 aiguilles que l'on avait au départ. Donc j'en descends deux côtés opposés au chariot. En rang. Je monte une aiguille côté chariot 2, j'en descends deux côtés opposés au chariot. Jusqu'au temps que je vais retrouver mes 15 aiguilles. Je monte ma dernière aiguille. J'ai fini donc ma séquence, mes deux séquences pour faire l'écaille. Donc je vais remettre 15 aiguilles en travail. Et je fais un rang sur tous les deux groupes de 15 aiguilles. Je remets celle-ci en attente. Et je vais travailler sur les 15 nouvelles aiguilles pour faire notre écaille. Voilà, donc je vais terminer mon rang et je vous reprends. Enfin, je vais aller jusqu'à un certain point et je vous reprends pour la fin du rang. Donc ici, je suis en train de terminer mon rang. Donc j'ai fait mon écaille ici. Donc j'ai rajouté mes 15 aiguilles, des mailles qui étaient, des aiguilles qui étaient en attente, et je vais mettre celle-ci en attente. Et donc je vais faire ma dernière écaille. Donc je monte une aiguille. Côté chariot, jusqu'au temps je vais en avoir 5 ici. Donc ici il m'en reste 6, donc je monte ma sixième aiguille et je vais commencer ma deuxième séquence, c'est-à-dire que j'en descends deux côtés opposés au chariot. Je monte côté chariot, j'en descends deux côtés opposés. Autant je vais avoir mes 15 aiguilles. Alors voyez ici j'en ai 15, mais mon chariot étant du côté gauche, je continue à faire la séquence, c'est-à-dire je monte une aiguille et j'en descends une ici, parce que si je fais mon rang sur les 15 aiguilles, pour que mon chariot se trouve à droite pour redescendre les prochaines aiguilles, je vais avoir un trou.
Donc moi je continue du fait que j'en ai 16, je me retrouve avec 16 aiguilles. Comme ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et je monte la dernière aiguille côté chariot pour avoir mes 15 aiguilles. Parce que si, quand je suis du côté gauche, j'ai bien mes 15 aiguilles, mais si je fais un rang de gauche à droite, ça va faire un trou. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi j'ai essayé, quand j'ai essayé la première fois, ça m'a fait des trous. Donc je me suis dit, tout compte fait, autant refaire, remonter une aiguille quand chariot est à gauche, une aiguille et remettre deux aiguilles, faire son rang, et ici on monte l'aiguille pour se retrouver avec 15 aiguilles. Voilà. Donc ici, j'ai mes 15 aiguilles, on a terminé l'écaille, donc je vais descendre ces aiguilles-là et je vais faire un rang sur toutes les aiguilles comme ceci. Et maintenant, on va remettre toutes les aiguilles en travail et faire trois rangs et on va recommencer la séquence du premier rang d'écailles. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on fait un échantillon pour vous exercer, et franchement, une fois qu'on a compris le principe, qu'il y a deux séquences, une séquence en mettant une aiguille côté chariot, on passe au chariot, on met une aiguille côté chariot, pour obtenir ces 5 mailles ici qu'il reste en travail, et la deuxième séquence pour avoir les 15 aiguilles du départ. Voilà, donc moi je vais continuer parce que j'ai 5 rangs d'écailles à faire. Donc je vais continuer mes 5 rangs d'écailles et je vous reprends après pour la suite du tuto. À tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai terminé mes 5 rangs d'écailles. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, j'ai mis mon fil blanc, mon coton blanc, pour faire d'après ici les écailles jusque la taille. Donc, moi, de là à la taille, je dois avoir 32 cm. Donc, je dois faire 100 rangs, d'après mon échantillon qui est de 24 mailles pour 10 cm et 32 rangs pour 10 cm. Avec la densité 3,5. Donc on va faire 100 rangs. Donc surtout on met son compteur à zéro. Les 100 rangs, on va donc se trouver à la taille. Donc à la taille, on va diminuer une maille toutes les 5 aiguilles et après on va faire un trou-trou. Donc je vais continuer à faire mes rangs jusqu'au temps que j'en ai 100 et je vous reprends après pour faire les diminutions. Alors pour faire les diminutions, il va falloir, après avoir fait les 100 rangs, il va falloir faire quelques rangs de fil perdu sur toutes les aiguilles et retirer le travail de la machine. Donc je vais vous montrer tout ça après. Donc voilà, j'ai fini mes 100 rangs. Donc comme je vous ai dit, il faut faire quelques rangs de fil perdu et ensuite on retire le travail de la machine. Et on va reprendre
les mailles avec le poinçon. Une, deux, trois, quatre, cinq. La sixième, on la met sur la cinquième pour diminuer pour la taille. Une, deux, trois. Quatre et cinq, et la sixième, on l'a mis sur la cinquième. Deux, trois, quatre, cinq. Et la sixième maille, on l'a mis sur la cinquième. C'est-à-dire que la cinquième, sur la cinquième aiguille, il y a deux mailles. Et on fait ça tout le rang. Et la sixième, on la met sur la cinquième. Sur la cinquième aiguille, il va y avoir deux mailles. Une, deux, trois, 4, 5, et la sixième, on la met sur la cinquième aiguille. Donc vous voyez, la cinquième aiguille, elle contient deux mailles. Il y a deux mailles. Et on fait ça tout le long du rang pour avoir moins de mailles pour faire le haut du corsage de la robe. Donc je vais terminer de remettre toutes mes mailles en faisant la diminution et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé de reporter une maille sur la cinquième aiguille comme je vous ai montré au début. Donc du coup, on a fait des diminutions. Donc on avait 120 mailles au départ et maintenant il nous en reste 100. C'est-à-dire que en faisant comme je vous ai montré, on a diminué 20 mailles. Sur toutes les mailles, on en a retiré 20. Donc ici, je vous avais dit que c'était 80 qui devaient rester, mais en fait, je m'étais trompée, c'est 100. Donc ne tenez pas compte au début de la vidéo que je vous montre le patron. Il est marqué 80 mailles, mais non, en fait, c'est 100. J'avais fait une erreur. Donc voilà, donc ici on a 100 mailles. Maintenant on va faire le trou-trou. Alors, on prend son poinçon et on va déporter une maille. Donc ici j'en ai deux, ça se peut qu'il y arrive un moment où on en a deux puisqu'on a fait les diminutions. Comme ceci. On va déporter une maille. Une aiguille sur deux pour faire le trou-trou, pour passer la cordelière ensuite à la taille.
Après, on pourra retirer ces rangs de fil perdu. Donc on fisse ça tout le rang. On déporte d'une maille. Vous voyez? On remet toutes ces aiguilles en travail et on fera un rang. Et ensuite, on fera 70 rangs jusque l'emmanchure. Une fois terminé le trou-trou, on tricote. Une fois qu'on en a déplacé ces mailles, on tricote sur toutes ces mailles et on fait 70 rangs. Moi, c'est 22 cm, c'est égal à 70 rangs. Et après, on commencera les diminutions de chaque côté pour l'emmanchure. Et après, on terminera par deux rangs d'écailles de crocodile. Voilà. Donc, je termine de reporter mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait mon un rang sur toutes les aiguilles. Donc, voyez, on a notre rang de jour pour passer la cordelière quand la robe sera terminée. Alors, surtout, quand vous avez fini de reporter une maille sur deux pour faire le trou-trou, montez bien vos aiguilles en position haute pour faire votre rang sur toutes les mailles. Parce que comme avec les diminutions, parfois, on a trois mailles sur la même aiguille, ça, c'est un peu dur à passer. Donc en les montant en position haute, les mettant... Et en mettant le bouton de rappel sur 2, vous allez faire le rang sans problème. Donc voilà, maintenant je vais dois alors maintenant je dois faire 70 rangs pour arriver aux emmanchures. Et après on fera les diminutions. Donc les diminutions, on a 70 rangs à faire, mais les diminutions, on va les commencer à 55 rangs, au 55e rang. Donc je vais faire 55 rangs et après je vous reprends pour vous montrer les diminutions. Donc voilà, j'ai fini mes 55 rangs. Donc on va commencer les diminutions de chaque côté. Donc on va diminuer deux mailles tous les deux rangs 7 fois, ce qui nous fera 14 rangs. Donc 55 plus 14 rangs, on en fait un de plus, ça fait donc nos 70 rangs. Alors, pour faire les diminutions, on va les faire avec le poinçon à trois chats. Donc, on prend les trois mailles et on diminue deux mailles. Donc, on déporte. Donc ici, on a nos trois mailles, nos trois aiguilles vides. Donc on déporte le poinçon de façon à déposer les deux mailles ici sur les deux aiguilles. Comme ceci. Donc sur la première aiguille on a une maille et sur les deux autres on a les deux mailles. On a deux mailles sur chaque aiguille puisque on a les deux diminutions ici, les deux aiguilles qu'on vient de faire. Et on met ces aiguilles hors travail. On fait la même chose à droite. Et on tricote deux rangs. Et on recommence. On prend trois mailles. On décale de deux aiguilles. Et on dépose les trois mailles sur les trois aiguilles suivantes. Comme ça, on a deux mailles sur la troisième, deux mailles sur la deuxième et une maille sur la première aiguille. Et ici, on a nos aiguilles vides qu'on met hors travail.
et on continue jusqu'au temps qu'on aura fait cette diminution, c'est-à-dire 14 rangs. On en fera un de plus pour qu'on ait nos 70 rangs. On met ces deux aiguilles vides hors travail, on fait la même chose à droite. Donc ici on les voit les diminutions. 1, 2, 3, 4, on est en train de faire la cinquième. Et ici, là où on voit qu'il y a deux mailles, deux fils ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On fait la sixième. Mais après, si vous n'arrivez pas à reconnaître les diminutions, vous regardez le nombre de rangs et c'est bon. Voilà, on a terminé nos diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, maintenant, on va commencer à faire les deux derniers rangs. Ici. L'écaille, on va faire les deux écailles pour le haut de la robe. Ensuite, après avoir fait les deux écailles, on arrêtera le milieu des mailles en laissant 8 de chaque côté pour continuer la cordelière. Donc, je vais m'installer pour les deux derniers écailles et je vous reprends après. Donc voilà, on va faire nos deux dernières écailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Les autres, on les met en attente. Et on va faire la même chose que pour le bas. Alors, on met une aiguille. On monte une aiguille côté chariot. On fait un. Autant qu'on va avoir nos 5 aiguilles ici. Voilà, donc ici on a nos 5 aiguilles. Donc maintenant, on va passer à la phase 2, c'est-à-dire qu'on va
rajouter des aiguilles pour récupérer nos 15 mailles du départ. Donc on monte toujours une maille côté chariot et on en abaisse deux côté opposé. Voilà. Maintenant, dès qu'on a nos 15 aiguilles ici, on en rajoute 15. On fait un rang sur toutes les aiguilles. On remet celle-ci en attente. Et on continue sur les aiguilles, les 15 aiguilles, comme je vous ai montré en début de tuto. Voilà, donc je vais terminer mes deux rangs de d'écailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait mes deux écailles. Maintenant, je vais tricoter trois rangs sur toutes les mailles. Voilà, alors maintenant, on va mettre de chaque côté 8 aiguilles en attente. À gauche, les 8. À droite, ici. Donc ici, on va faire un rang sur les aiguilles pour que notre fil se trouve ici, sur l'aiguille ici, pour pouvoir arrêter nos mailles du milieu. Donc on va tricoter un rang comme ça. Voilà. Et on va mettre les 8 aiguilles en attente comme à gauche. Ce sera pour faire la cordelière ici. Enfin, les bretelles ou la cordelière. Après, vous ferez ce que vous voudrez, ce qui vous plaira mieux. Moi, j'ai carrément fait une cordelière. J'ai tricoté sur les 8 mailles et vous voyez, ça fait comme une... Ça fait comme une cordelière. Après ça, pour les bretelles, vous faites comme vous voulez. Chacun ses goûts. Donc ici, il faut bien faire attention qu'on a nos boutons de rappel sur le 1. On va tricoter un rang sur les aiguilles du milieu avec une densité à 8. Comme ça, après, on va arrêter ses mailles. Voilà. Donc de cette façon-là, on a des grandes mailles et ça ne va pas être étiré quand on va arrêter les mailles. Voilà, donc je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après pour vous montrer pour la cordelière pour les bretelles. Donc voilà, j'ai arrêté mes mailles ici. Et puis voyez, vous avez vos 8 mailles, 8 aiguilles ici. Et vous continuez à tricoter jusqu'au temps que vous aurez fait assez de rangs. Moi, il fallait que j'en fasse 112. 112 ou... non, 112, c'est ça. Et puis voilà, j'ai eu une bretelle que je vais coudre ici à la deuxième partie du dos.
Voilà. Après, la bretelle, vous pouvez faire une bretelle avec du un crochet, faire une belle bretelle au crochet. Ça, chacun fera comme il voudra. Voilà. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est que je vais coudre. Je vais coudre les côtés de la robe sur ma remailleuse. Et puis, ben, je vous reprends après pour la fin du tuto. Voilà. Alors, à tout de suite. Donc voilà les filles, le tuto est terminé. Voilà ce que ça rend. Ben, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette robe. C'est la première fois que je fais une robe. Bien sûr, vous ne voyez pas encore bien la couleur parce que on voit marron clair alors que c'est un orangé, un ton orangé. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu, que vous n'aurez pas trop de difficultés à la faire chez vous. J'ai fait un patron très simple. Par contre, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est de comprendre pour faire les écailles, le poids écaille. Donc en début de vidéo, j'essaie de bien montrer comment on doit le faire. Et en tout cas, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire sous la vidéo, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.